petite directe aujourd'hui parce que nous avons eu un scandale. Parce qu'ici, on appelle ça un scandale. Le nom du star, notre star, celle-là qui est l'ambassadrice de la musique camerounaise dans tout le monde entier, celle-là qui nous représente. Je ne vais pas donner son nom parce que moi, j'ai peur, moi, de Kodingui. Non, elle va donner son nom, c'est pas le mal. Lady Ponce, c'est une femme que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Les gens confondent souvent les choses sur les réseaux, pour les réseaux sociaux. Les gens confondent tout. Lady Ponce, d'abord, je vais présenter mes excuses à cette dame parce que sa vie est aujourd'hui sur les réseaux, sa vie privée aujourd'hui sur les réseaux sociaux à cause d'une seule personne, l'homme qu'elle a épousé. Parce qu'à la base, je vais présenter mes excuses à cette femme parce que je vais parler de son histoire. Ce n'est plus privé quand ça arrive dans les réseaux sociaux, c'est privé quand c'est chez soi. Mais quand c'est dans les réseaux sociaux, alors je prends le. En tant qu'une blogueuse, dont j'estime que j'ai le droit de donner mon avis sur cette affaire-là. Lazy Ponce, je te présente mes excuses parce que. Tu es celle-là qui a valorisé la musique camerounaise à un moment où elle était à terre, où la musique camerounaise, on n'entendait plus parler du Makossa. Parce qu'avant, le Makossa, c'était une musique internationale qu'on écoutait le Makossa partout dans le monde. J'ai dit partout dans le monde. Le Makossa, même vous avez même vu Michael Jackson a volé une partie de la chanson de notre papa Manu Dibango. Parce que le Makossa a cartonné. Le Makossa a cartonné, mais aujourd'hui, Rihanna, elle a fait une reprise. Makossa, c'est tout le rythme du Makossa. À un moment, la musique camerounaise est tombée. On n'entendait plus rien. On n'écoutait que les anciens trucs. Alors, Lady Ponce est venue là, comme un enfant. Je sais, elle est venue. On l'a même pas vue venir. Elle a atterri. Elle a valorisé notre musique. Elle a attiré d'autres jeunes filles. À travers, on a connu les Mani Bella, les Koukoua Janté, tout ça là. Mais Lady Ponce, c'est notre icône. C'est une personne que nous devons respecter. C'est une personne, c'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui a beaucoup d'amour. C'est une femme qui est, c'est gentille. Quand je parle des gens, j'ai même la chair de poule. Parce que c'est une femme, quand tu la vois, je l'ai vue pour la première fois dans un concert. J'ai regardé et dit au Seigneur. C'est une femme qui va vers son public. C'est une femme qui a envie d'embrasser tout le monde. C'est une femme qui a envie de tenir son micro et de changer son micro sans mettre le main sur le micro pour dire que je suis. Peut-être elle a laissé les crash. Non. Elle reprend, elle fait ça. C'est une femme. C'est une femme. Elle aime les gens. Elle aime être auprès des gens. C'est une femme bien. C'est une belle personne. C'est une femme. Je pense qu'elle n'est pas née pour être. Elle est née pour être artiste. Elle n'est pas devenue artiste. Elle a dans le sang la chanson. C'est ça. C'est son art. C'est inné en elle. C'est une femme, normalement, quand tu la regardes, tu sais, c'est une femme qui elle a besoin d'un homme, d'être protégée, d'être aimée, avoir sa petite famille, les enfants, et voilà, vivre sa petite vie. Mais comme la musique l'a choisie, elle aussi est obligée de faire sa petite musique. Au fond, c'est une très belle personne. Alors, je vais te présenter mes excuses. Je te dis merci pour ce que tu as fait pour la musique camerounaise, parce que c'est grâce à toi que cette musique a revu le jour. Parce que le coupé décalé nous avait étouffé. Quand les Doux Saga, les Borosangui, les Moulin Omar, ils sont arrivés, vraiment, ils ont tué le Makossa, ils ont tué la musique camerounaise. Elle est venue de nulle part, une jeune femme, belle femme, qui nous a séduits avec ses chansons. Et là, j'ai envie de te dire aujourd'hui, merci. Mais comme c'était tout ce qui concerne les femmes, moi, je vais parler parce que ça concerne une femme. Quand tu t'es mariée avec ton mari, si les gens ont dit que Lolo n'a pas. Oh, Lolo est jalouse. Lolo, ceci. Lolo, elle a dit que. Parce que vous avez cet esprit de tribalisme en vous. Oh, les Bamleke. Oh, il a épousé une Bamleke. Arrêtez ça. Laissez l'histoire des tribalistes là. Nous sommes tous des Camerounais. Ce n'est pas peut-être parce qu'il est Bamleke que s'il est faux, je ne vais pas dire qu'il est faux. Quand j'ai vu ce mariage, j'ai dit waouh. Quelle erreur! Mais, comme on dit, le cas, c'est raison qu'on ne connaît pas. Nous sommes obligés d'accepter ça comme ça. Mais j'ai dit, quelle grosse erreur! Parce que Lazy Ponce, c'est une star! C'est une femme qui a un bon cœur! C'est une femme qui est amoureuse de l'amour! C'est une femme qui a envie d'être. Lazy Ponce n'est pas mariée depuis pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme.
Non, c'est parce qu'elle cherchait le vrai amour. Elle cherchait quelqu'un, elle cherchait la confiance. Elle cherchait quelqu'un qui va, comment dire, va la protéger, quelqu'un qui va l'aimer, quelqu'un qui va... Elle cherchait ça. C'est pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme. Quand même, c'est quand même les dépenses pour aller prendre, ramasser un clochard quelque part là-bas, il y a un de poule épouser ses parents. Même moi qui essayais de me marier pas au cas où j'ai ramassé n'importe qui, porte la veste, le complet veste là, il ne mange pas la meilleure lui à qui on s'est marié, c'est dur. C'est pas parce qu'elle ne voulait pas, c'est pas peut-être parce qu'elle manquait l'homme, c'est parce qu'elle n'avait pas encore trouvé l'homme parfait. Et ce garçon-là su la porter tout ce qu'elle attendait. C'est la raison pour laquelle elle a cédé. Quand je vous ai dit que ça, c'est une grosse erreur, ça m'a choqué. J'ai dit que vous-même, vous avez vu, je n'ai pas caché mon mécontentement. Oui, je l'ai fait montrer, j'ai montré ça à tout le monde. Parce que c'est une personne que j'ai déjà parlé avec lui. C'est une personne que j'ai déjà discuté avec lui plusieurs fois. J'ai fait ça parce que nos parents, quand tu venais avec un homme à la maison, ta mère disait que l'homme, si je ne veux pas, tu disais que oh, ta mère, plus tard, tu te rendais compte que ce que ta maman avait dit, c'était la vérité. Moi, quand j'ai vu, c'est-à-dire que cet homme, j'ai eu à discuter avec lui quand il était le mari de Princesse Éternelle. J'ai eu à discuter avec lui longuement, en profondeur. J'ai dit que, mais, cet homme va faire souffrir Lady Ponce. Ce n'est pas un homme fait pour elle. Lady Ponce a besoin d'un homme qui aime, un monsieur, un homme qui se respecte, peut-être même un homme qui... Pas cette personne-là. Cette personne-là, je n'ai pas envie d'aller dans les gros mots. Il ne mérite pas Lady Ponce. Parce qu'un homme qui est marié, je l'ai vu avec une copine à l'hôtel. Mais tu n'as pas un homme qui est marié, qui quitte de l'Angleterre pour se retrouver dans un petit trou, petit village de Soissons, quelque part, dans un hôtel perdu, pour suivre une fille. Et quand tu regardes la fille qui est en face, tu regardes sa femme qui est à la maison, mais tu es traumatisé. Tu dis qu'il y a un problème. Tu dis, mais il y a un problème. Mais attends, ça n'a pas empêché que, malgré ça, il sait bien que cette fille, c'est mon amie. Et elle est revenue aussi jouer le même jeu avec moi. Elle dit, mais attends, il faut arrêter. C'est là où j'ai dit que non. Les hypocrites ne méritent pas cet homme, jamais. Je leur ai dit encore non. Mais comme l'amour a ses raisons qu'on ne connaît pas, bon, voilà, peut-être au moins peut changer. Mais je vais vous dire qu'on ne change pas à partir de 40 ans, on s'améliore. On ne change pas un homme. C'est elle-même qui avait dit que le poisson, elle avait dit que quoi? Elle avait chanté une chanson là pour dire que les hommes sont pareils. On ne change pas un homme. Quand cet homme est venu vers moi, on a causé en profondeur. Moi, je ne mens pas. Je vais parler dans les détails parce que moi, je suis quelqu'un que je ne suis pas là pour entrer dans les détails. On a causé en profondeur plusieurs fois, même dans sa maison en Angleterre. Donc, c'est pour vous dire que... Et c'est même quelqu'un qui m'a apporté les provisions ici en France. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que non. Pour l'amour que j'ai pour Lady Ponce, je n'ai pas aimé parce que c'est une femme. Elle est sensible. Elle est naïve. Quand on dit naïve en amour, ce n'est pas une injure. C'est une qualité que les hommes adorent. Les hommes, les femmes naïves. J'ai été naïve avant. Oui, j'ai été naïve. Beaucoup. J'ai été naïve, moi. C'est pas une injure. C'est une qualité. Elle risque de tomber dans les filets de ce menteur-là, parce que c'est un menteur. Et mais comme en Afrique, c'est comme ça que j'ai dit, non, je suis pas contente, voilà. On m'a étouffé, on m'a insulté. Oh, tu es jaloux, va te marier. Je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Je me marierai le jour que je serai sûr que cet homme, si c'est pour moi, si ce n'est pas ça, je meurs sans me marier. Ta grand-mère qui est au village était mariée. Votre grand-mère qui était au village était mariée. Ta maman même qui a la mère était mariée. Nous, maman, on connaissait l'acte de mariage. Les mères d'avant, on les mariait pour une chèvre. 5 chèvres, 5 sacs de riz. Elles restaient le mariage jusqu'à leur mort. Elles connaissaient la mairie. Elles ont connu l'église. Elles vous ont accouché dedans. Elles vous ont élevé dedans. Elles sont mortes dedans sans papier. Sans papier de mariage, état civil. On les appelait quoi? On les a enterrés où? Où venez aujourd'hui la nouvelle génération d'aujourd'hui? Il suffit qu'un homme te dise que bébé, je t'aime, tu cours, tu pars à la mairie. Il suffit qu'un homme te dise que oui, tu es la pub, tu cours, tu pars à la mairie. Et pour venir vous asseoir, je vais venir pleurer. Et il faut arrêter ça. Que le va te. Vous croyez que je manque le mari qui me marie? Vous croyez combien de fois on m'a proposé le mariage? Moi, le cas où vous me regardez là, je ressens une fille qui peut chômer dans le mariage. Mais déjà, si vous soyez normal, c'est parce que j'ai ma façon de réfléchir, je ne suis pas bête. Même papa, vous n'avez pas laissé. Vous, moi, j'étais une femme coquifiée. J'étais une femme qui a souffert dans la relation que vous voyez là. C'était pas facile pour moi. Si papa, vous n'avez même vu mes photos nues sur la toile, il est quelque part responsable de ça. Parce que s'il m'avait protégé, s'il m'avait gardé comme un homme doit garder sa femme, je ne serais pas allé voir ailleurs. Donc il est le premier responsable de ces photos qui sont dehors parce qu'il m'a poussé un peu dehors parce qu'il m'avait
abandonné à la maison. J'étais seule. Je ne savais plus où aller. J'avais honte des gens. J'avais honte du regard. Le Congo sacre de oh, son gars l'a abandonné. Oh, ceci, cela. Je suis restée dans cette maison-là parce que j'avais honte des gens. Aujourd'hui, je dis non. Je refuse les femmes qui restaient silencieuses. Il faut parler. Parce que moi, j'ai failli mourir dans cette relation-là. Il fallait me voir. C'est mon frère Dikembe qui m'a dit un jour que ouais, restez. Donc, tu vas dire comme ça, dans le marais, parce que tu as peur qu'on va dire que. J'ai dit que fais comment? L'enfant me trouvait souvent dans la maison en train de pleurer, dans la chambre. Luce Gloria, maman, tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Parce que je souffrais. Il y a des milliers de femmes qui meurent dans les maisons tous les jours parce qu'elles ne parlent pas. Parce qu'elles sont opprimées par les hommes. Les hommes leur menacent. Ils torturent la vie, détruisent la vie. Elles ne peuvent pas dire un mot parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de vous. Elles ont peur de votre réaction. Elles ont peur de voir comment vous allez agir. Elles ont peur de mourir dans les maisons. D'autres stressent. Maman, vous avez son peur. Vous vous êtes moqué d'elle. Vous allez lancer les cailloux. C'est la femme africaine. Princesse éternelle. Vous avez laissé cet homme l'humilier, l'insulter. Vous l'avez accompagné dans ça. Vous l'avez accompagné, insulté, princesse éternelle, la mère de ses 5 enfants. Vous l'avez encouragé dans cette bêtise-là. Vous avez commencé à la comparer avec Lady Post. Elle a quand même 4 enfants avec lui, 5 enfants avec lui, mon ami. Ce n'est pas une chienne, c'est une femme. Vous devez la soutenir. Mais vous l'avez insultée, qu'elle pleure, le zizi. Quel zizi même. Vous l'avez humiliée, cette princesse éternelle-là. Elle méritait ça. Elle méritait ça. Vous continuez à encourager dans la bêtise. Parce que soi-disant, c'est le mari de X. Et alors, qui sont le mari même de n'importe qui. Et on s'en fout. On s'en fout. Vous vous rendez compte du mal que vous faites aux femmes? Mamie, c'est venu ici à pleurer. Vous, les femmes noires, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Nous sommes en 2019. Vous êtes toujours les pieds des hommes. Vous êtes toujours en train de marcher derrière les hommes comme les chiennes. Ça, vous avez peur. Quand vous voyez maman Chantal au Cameroun faire les fêtes, ça, vous avez peur. Parce que c'est les femmes courageuses. C'est les femmes qui peuvent tenir le Cameroun. Moi, je peux gouverner ce pays-là. Je suis une femme. Nous avons l'énergie, les malenfonies. Les vraies femmes capables. J'ai même les blogueuses de la toile sont les vraies filles. Vous les insultez pas, vous êtes jalouses d'elles. Vous êtes jalouse de nous parce que la capacité que nous avons de venir se tenir, de parler devant les milliers de personnes, ça vous n'avez pas ça. Vous êtes des femmes aigries, vous êtes jalouses. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas la force, la niaque que nous avons. Vous n'avez pas cette énergie, vous n'avez pas ce courage. Même les blogueuses de la toile, moi je les félicite parce que c'est les filles qui sont courageuses. Personne sait qui sont capables de le faire. Toi tu peux faire un direct, toi qui es caché à la pauvre. D'abord tu n'arrives pas déjà à t'assumer avec un vrai profil. C'est venu faire un direct que tu pourras le faire. Quand tu vas venir faire le direct, le fringia. Tu as quoi dire, idiote? Vous lancez les cailloux à vos soeurs qui viennent pleurer. Elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de votre soutien. Vous les chassez. Princesse éternelle a mérité le lynchage que ce monsieur a fait sur elle, sur la toile. Un homme qui insulte la mère de ses cinq enfants, qui la dénigre, qui la piétine, soi-disant parce qu'elle pleure. Vous vous rendez compte? Nous sommes en Europe, mon ami, nous ne sommes pas en Afrique ici. Que quand tu sors, la voisine peut t'aider à garder l'enfant. Oh là là. Elodie n'est pas là, Réven bien, il n'est pas là. Oh, il y a beaucoup de clochards là aujourd'hui. Là. Hein? On ne sort pas en Afrique ici. Que quand tu sors, la voisine peut t'aider à garder l'enfant. La tante peut venir au village. La maman peut venir te regarder. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ici en Europe, tu es content à rester avec ses enfants dans la maison. Parce que le service social est derrière toi. On parle, nos voisins peuvent appeler que les enfants pleurent. Oh, si c'est là, tu te rends compte une femme qui se reste. Elle voit son mari partir. Et là, les femmes avaient 5 enfants. Et qui, les garçons? C'est dur. Même si la femme a dit qu'elle n'aime pas l'homme là, c'est faux. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur. Et vous venez encore ajouter, c'est le mariage, c'est les maisons, c'est les marchés, les noms qui se combinent, c'est ceci. Vous avez pensé que cette femme-là, cette princesse éternelle, si elle tombe, le jeu va laisser 5 orphelins. Elle peut tomber là même d'une AVC, d'une crise cardiaque parce qu'elle est dans le stress, parce qu'elle est dans la pression de Facebook. Parce que vous croyez les dieux suprêmes. J'ai envie de dire qu'allez vous faire enculer. Vous êtes des diables. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. La femme africaine, c'est la seule femme qui accepte qu'un homme pas trichant, dit que oui, l'homme, c'est normal qu'un homme soit infidèle. Qui vous a dit que c'est normal qu'un homme soit infidèle? Qui vous a dit que c'est normal qu'un homme soit infidèle? C'est la seule femme que quand une femme vient pleurer, quand une femme, on a abandonné dans un foyer sous la femme camerounaise.
que quand on l'abandonne, les gens applaudissent et mordent d'elle. C'est au Cameroun. La femme africaine, c'est la seule fois que quelqu'un homme est infidèle. Elle vient dire que oui, non, c'est normal qu'il est infidèle. Hey, si tu es infidèle, si tu acceptes l'infidélité de ton mari, dis-toi qu'un jour tu vas prendre le sida, ma chérie. Tu vas ramasser le sida. Et si tu meurs, ma puce, il va le baiser, notre fille va t'oublier. Même ton il ne venait même pas ton. Il va te dès qu'on t'enterre là. Il revenait parce que s'il n'est pas encore accompagné un autre mort au village, c'est là il va voir ta tombe. Donc fais attention. On se marie avec un homme. Donc le combat comme tu. Il est parti là. Donc tu vas accepter l'infinité, il va venir te donner le sida. Dans l'infinité, il y a beaucoup de risques. Il y a le poison. Il y a les maladies. Il y a même la sorcellerie dedans. Donc si tu acceptes déjà qu'un homme vient te tromper, tu dis que non, c'est tous les hommes trompent les femmes. Tous les hommes trompent les femmes. C'est ce que j'ai des paroles, ça. Mais je vous dis, les femmes africaines, c'est, nous sommes dans quel monde, ça, tous les hommes trompent les femmes. Mais si les hommes trompent les femmes, même les femmes aussi peuvent tromper les hommes. C'est vite fait ça. Vous croyez que quoi? On peut se tromper. J'ai dit que chez moi, maintenant, c'est comme ça. Tu niasses, je niasse, c'est propre, c'est comme ça. Oui. Tu niasses dehors, moi, mais je niasse dehors parce que le goût, là, moi, je vais aussi aller chercher ma part. Et le respect va s'imposer. Tous les hommes trompent les femmes. Vous avez vu ici, là, comment la secrétaire de Bill Clinton, quand Bill Clinton avait fait quoi avec elle, l'infidélité, là. Vous avez vu comment les femmes européennes, les femmes du monde se sont levées pour soutenir Hillary Clinton. Vous avez vu comment les femmes européennes se sont levées pour soutenir Diallo, la fille qui a eu les problèmes du ministre Strauss-Kahn. Mais chez nous, on repousse nos sœurs, on les insulte, on leur dit tous les mauvais mots du monde. Elles sont obligées de rester comme ça, de quoi? Moi, je suis Lydie. Je suis Lydie. Et je vais te dire, Lydie, tu es une fille brave. Moi, Tata Lolo, je te soutiens. Tu as bien fait de dénoncer cet homme. Tu es l'une des, tu es la Camerounaise que j'ai connue au Gabon. Tu es la Camerounaise que j'ai connue en Guinée équatoriale. Tu n'es pas la Camerounaise de l'Europe, les poules mouillées. Qui passe dans la paix, les Mbangala, à pleurer derrière les hommes, à soutenir les hommes parce qu'elle veut entendre qu'elle soutient tel. Tu es une vraie Camer. Oui. Tu es la Camerounaise de. Tu es une indomptable. Lydie, je te soutiens. Je te soutiens jusqu'à demain. Tu as bien fait. Il y a des milliers de femmes qu'on torture dans les murs, qu'on escroque. On vole leur argent. On vide leur compte bancaire. N'ont pas le coupé de parler parce qu'elles ont peur. Oui. Toi, tu n'as pas eu peur. Tu as dénoncé, bravo Lydie. Je suis Lydie jusqu'à demain. Et je serai avec toi demain, après demain et demain. Même comme tu m'avais insulté hier, je m'en fous. Je suis là ici là pour la cause. Je ne juge pas les personnes, je juge les faits. S'il fallait juger les personnes, je n'ai pas parlé de ton affaire. Mais comme tu étais avant abeille, où tu es abeille. Mais moi, je ne juge plus les gens. Je juge maintenant les faits. Je suis Lydie. Femme forte, femme courageuse. Tu as bien fait de dénoncer. Tu as bien fait de dénoncer cet homme-là. Bravo, parce qu'avant toi, il a fait beaucoup de filles. Je l'ai vu à l'hôtel quand il était avec Princesse Éternelle. Il faisait ça. Il draguait de partout. Il trempait sa bite de partout. Attends, les pauvres gens sont à la maison. Ils vont venir ramasser peut-être un gros sida quelque part. Parce que les individus ont baladé les chemins. Ils trempent leur bite là partout. On va dire que l'homme est infidèle. Et tous les hommes sont infidèles. Arrêtez vos mots là. Donc, comme l'homme est infidèle, ma mère avait accouché pour lui. Est-ce que ma mère elle va accoucher pour lui? Si je meurs là, il ne va pas souffrir, hein? Il va me changer. Mais ma mère n'aura plus un autre enfant. Mon frère n'aura plus une autre soeur. Donc, je suis Lydie. Demain et après demain, jusqu'à la gare, je suis toi. Tu as compris, Lydie? Maman? Un homme qui insulte les femmes. Un homme qui méprise la mère de ses enfants. Et aujourd'hui, on est venu, vous voulez vous dire qu'il a, il dit que vous dites qu'il a donné 4 000 euros, on l'avait forcé. Oui, arrêtez un peu les filles. Arrêtez votre langage là. Vous avez tous donné l'argent aux hommes. Vous avez tous donné l'argent, on l'avait pas forcé. Oui, parce que je vais te dire, il y a un seul truc que je vais dire à Lydie, c'est que Lydie, l'homme peut être laid comme tu dis, hein. Cet homme-là, il est laid, comme tu dis, il peut te l'accorder. Mais il a du charme. Moi, parce que moi, je qualifie pas un homme par la beauté du visage. C'est un homme qui a du charme. Et c'est ça, il a réussi à voir cette femme parce qu'il a ces qualités-là. Il a cette qualité-là, le charme, il sait parler. C'est un... Ouais! Maniaque, ma mobé, c'est un... Ah merde, quand on dit que l'homme est attentionné, tu donnes le matin, le mec que tu as mangé quoi. Personne, tu sais que les Africains ne connaissent pas ça. Et beaucoup de filles adorent ça. C'est qu'en Europe, nous sommes...
Vous lancez la peur aujourd'hui à Lydie. C'est tout à fait normal. C'est vous qui dites que tous les hommes sont infidèles. C'est vous qui dites que non, pourquoi les petits sujets le voyage de quelqu'un. Oh, pourquoi elle a envoyé 4 000 euros. Oh, pourquoi elle a envoyé ceci. Elle vous a dit qu'elle a sorti avec lui. Elle n'a jamais sorti avec lui. Elle a dit qu'elle n'a jamais sorti avec lui. C'était un jeu de séduction entre les deux. Elle n'a jamais sorti avec lui. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Vous avez donné l'argent à l'homme mémé. Mémé Tchato, vous avez donné. Même toi-même, tu as donné l'argent à l'homme mémé Tchato. Laisse ça. Il faut qu'on dénonce. Si on ne dénonce pas, on va laisser beaucoup de victimes. Arrêtez ça. Arrêtez de tout valoriser ces gars-là. Alors qu'ils ne veulent rien. Ils ne sont rien. C'est des idiots, c'est des gigolos. C'est des gens qui sont là pour détruire la vie des femmes en France. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, mémé. Il faut arrêter ça. Toi, on t'a escroqué, tu n'as rien dit. Tu connais combien de personnes se tombent en cours et aussi aller escroquer derrière. Pourquoi vous laissez les victimes? Pourquoi vous ne sensibilisez pas? Pourquoi vous n'avez pas pitié? Donc, comme toi, on t'a escroqué, on doit aussi escroquer les autres alors. Et vous encouragez les hommes qui escroquent les femmes? Mais on vit dans quel monde ça? Je vais vous bloquer. Hein? Moi, je vais vous bloquer. Rêve, toi, je vais vous bloquer. Je ne blâme pas. Je vais vous bloquer parce que moi, je suis pardonné. Je vais vous bloquer. Il est escroqué. Il est parti au Cameroun, la fille a envoyé 400 euros. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'en veux pas les filles qui ont l'argent aux hommes ici en France. Tous ces filles qui parlent de l'argent aux hommes. Maman, je sais plus, c'est l'histoire de Sommet. Et Sommet n'a pas mangé dans les kisses, l'enfant, on a vu. Et Sommet a escroqué tout le monde. Et Sommet a escroqué tout le monde. Et Sommet, c'est un gars qui baisait toutes les putes de l'île. Il a tout mal, toutes les. Parce que quand tu sais que les dans les petites provinces, les filles, là sont pas oises. Quand tu vois même l'homme à côté qui va même tout mal, qui va même tout mal les filles de l'île, jusqu'à les filles pleurent pour lui, tu te poses la question qu'il y a un problème en Europe avec les femmes. Parce que même, c'est un crasseux. Je le dis où il faut, je ne cache pas. Maman, c'est mon ami, je ne manque pas, c'est la vérité. Vraiment. Parce qu'il ne mérite même pas, maman, ministre. Je te dis, c'est là, tu vois, que le mari, vous voulez monter aux gens que je suis marié. C'est ça que vous allez faire des erreurs comme ça. C'est pas un homme qui te mérite pas. Parce qu'on dit combien la beauté. Tu étais plus. Mais attends, maman, mais c'était. Maman, mais c'est une bombe. C'est une belle femme. Maman, mais c'est hackée comme Beyoncé. Tu vois, quand maman, mais il met la culotte, tu as envie de voir ses pieds. C'est pas faux qu'il porte le cabangon comme moi tous les jours, les longs jupes, les isaons comme moi là. Elle est, quand à l'époque elle mettait que les mini jupes, les mini culottes, tu voyais ses formes, tu dis yes, voilà une femme. À cause d'un clochard, parce que vous le refusez, tu le dénoncez les gens, vous cachez toujours, tu es tombé dans ses griffes. Et celui-là, il a détruit la vie de maman ministre. Maman ministre vient parler, au lieu qu'on la soutient, on la chasse. On la lance les pierres. On l'insulte. Hein? Ils sont nombreux. Donc à un moment, il faut dénoncer ces hommes-là. Et vous savez qu'en Europe, nous avons ces problèmes-là. Les femmes sont stressées. Les femmes n'ont pas d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes, maman. Vous le savez très bien. Qu'en Europe, il n'y a pas d'hommes. Nous sommes en carence d'hommes en Europe. La jachère peut nous tuer. C'est ça le problème d'Embeng. Quand vous voyez les filles venir en Afrique, on s'est binda les petits gars-là. C'est parce que c'est chaud ici. Alors quand tu vois une femme comme celle-là, elle est restée peut-être 4 ans ou 5 ans, 7 ans. Elle n'a pas entendu quelqu'un lui dire à l'oreille que chérie, tu es belle. Maman, elle veut aussi, elle est. Mais comment? Elle voit un gars qui se lève un matin et dit que mais bébé, tu es belle. Il sait même que tu es laide, mais il te dit que tu es belle. Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien. Elle a envie d'entendre ça. Elle sait bien que c'est quelqu'un qui est occupé. Mais est-ce que je peux même profiter en cachette? J'ai dit aussi envie d'entendre que tu es belle. Ça fait 5 ans. Non, ne m'a pas dit que je suis belle. Ça fait 5 ans, je suis aussi, tu avais les cheveux bouffés. Le lendemain, dès qu'on dit que tu es belle, elle a pas dit faire le tissage. Elle a pas dit faire le make-up. Elle a pas dit, parce qu'elle veut s'embellir pour plaire à cet homme-là. Elles font tout pour attirer la chance. Mais lui, au moins, il est venu me dire que tu es belle. Bébé, tu as bien dormi. Et cette garçon qui est en face de vous là, je peux vous dire que ce n'est pas. Ah, mon frère, c'est. Je dis qu'elle est dans la médaille de ça, maman. Il est, comme tu peux dire, il est laid, gars. Il a la qualité là. Tu ne peux pas l'enlever ça. L'élégance là, il a ça. Ça va parler à la famille, ça, c'est un bon parleur. Il connaît mettre les mots, il faut. Il ne manque pas, c'est la vérité. Et si tu es mougou, tu tombes. Tu tombes. Donc il a su. Donc cette fille était peut-être celle-là. Et je connais la Suisse. C'est un pays stressant. J'ai habité en Suisse quand même. Je connais le pays. C'est un pays stressant. Ensuite, moi, je ne connais pas les noirs. J'étais, mais j'avais les boutons. Ensuite, je marchais, je parlais sur la route. Je parlais sur la route. Maman dit que. Mais, un jour, je sais comment ça, c'est quel pays ça? Donc, tu peux, faut quand les femmes ont besoin. J'ai même ma propre soeur de Kribi qui m'a abandonné, c'est à cause d'un homme. Que c'est moi qui donne l'homme, hein. C'est moi qui donne l'homme. Que maman, tu pleures l'homme, je te donne l'homme. Quand il a pu l'homme, c'est assis sur ça, c'est moi qui l'a commencé à pointer du doigt. Elle part partout, elle prend les feux. J'ai dit, regardez-moi celle-là. Une autre. J'ai dit, c'est même ma soeur, mais demain, ma soeur, je ne peux pas l'en vouloir parce que c'est ma soeur. Je comprends que c'est la vie de l'Europe. Il n'y a pas d'homme ici. Les hommes ici sont occupés. Donc, Lydie aussi, peut-être, elle dit que, ah, on va aussi jouer le jeu là que bon, de temps en temps il m'appelle. Je cause avec lui, les petits dolos et tout ça. Elle aimait ça. Elle voulait se sentir aimée.
Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses petits chokoga. Et le gars, c'est qui me dit qu'après le mariage, il restait chez lui. Il appelle la fille au téléphone devant les enfants de sa femme. Au lieu que, moi je vais te dire, Lady Ponce, ne jette pas les paroles de cette fille-là. Prends ça en considération. Parce que quelque part, elle a soudé ton mariage. Elle a réveillé quelque chose. Peut-être que tu ne te rendais pas compte. Mais aujourd'hui, grâce à cette fille-là, prends tes gardes. On peut se marier avec un homme. Et aujourd'hui, vous avez compris que les Blancs, aujourd'hui, se marient. Mariage par contrat. Parce qu'ils ont compris que le mariage aussi, il y a des décisions qu'il faut prendre dans le mariage. Quand tu es malade, Lady Ponce, tu es l'enfant du peuple. Tu es l'ambassadeur de la musique camerounaise. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est ce gars qui sera le seul à décider. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr qu'il mérite ça? Pose-toi la question. On se marie pas en Europe n'importe comment. Le mariage en Europe, quand tu te maries, il y a des décisions que c'est, il n'y a que ton homme qui peut prendre ces décisions-là. Donc, il faut te poser la question dès aujourd'hui. Que est-ce que cet homme a les capacités, est-ce qu'il mérite? Parce que où tu es là, tu es une icône. Tu portes tout un continent sur ton dos. Parce que tu as le regard du monde sur toi. Donc, qui doit être près de toi, tu dois lui faire confiance à 100%. À 100%. Un seul moment que tu te rends compte que l'homme-là a fait quelque chose de tic, prends tes gardes. Parce que c'est ta carrière qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Ne suis pas les commentaires de Facebook. Ne suis pas ce que les gens vont te dire. Elle s'en fout. Elle a pas mal. Vous mentez. C'est le mensonge.